Drop it. Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Adrien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en sapeur-pompier. Dedans cette vidéo vous allez pouvoir voir plusieurs interventions en sapeur-pompier que j'ai réalisées avec d'autres pompiers. Je vais commencer la série sur les sapeurs-pompiers d'Aston. Donc je suis sergent et je suis donc sous-officier des sapeurs-pompiers d'Aston. Je vais être beaucoup sur des engins tels que le VSAV, mais je crois que je vais faire aussi un petit peu de PSE, je pense. Savoir que les pompiers réalisent 80% de l'intervention dessus, du secours à la personne, 10% sur l'incendie, et le reste se fragmente en plusieurs petits pourcentages de secours animaliers ou de secours divers. Bref, du coup là nous allons aller éclater Twingo au CS. Et là nous aurons une autre tenue. Voilà. Ouh là là là. Le réveil. Ça, il fait encore un petit peu tard. Bien du coup, désolé pour mon absence qui était assez longue. Il se trouve que j'ai eu des problèmes médicaux et que j'avais pas envie de reprendre la chaîne, faut savoir ça. Mais heureusement, j'ai un monteur qui va pouvoir m'épauler. Donc merci à Kirito de m'épauler au niveau du montage. Ce qui me permet donc de juste avoir tourné la vidéo. Je lui envoie la vidéo, il le monte. Merci à toi. Même si d'ailleurs celle-ci va être envoyée dans le désordre. Donc voilà, on se retrouve là tranquillement dans notre petit Twingo. Mon personnage RP s'appelle Julien Delmar, il est sergent chez les sapeurs-pompiers. Et il est aussi maire de la ville, de la commune d'Aston. Et voilà, on va faire une petite garde sympa. Si vous aimez bien les gardes sympas, on peut faire. Comme vous voyez pas, vous pouvez voir, je suis marqué moi, je suis staff, je suis donc le gérant staff, c'est-à-dire environ un grade de super administrateur si vous voulez. Un peu plus au-dessus. Donc voilà, et voilà. Si vous avez un moindre problème, vous me contactez. Pour rejoindre le jeu, c'est très facile, le lien est dans la description, ainsi que le lien du Discord. Pour jouer au jeu, le mieux c'est d'avoir le Discord pour parler pendant les actions RP ou même pour pouvoir avoir un métier. Tel que Waitley ou métier Waitley, donc gendarmerie, sapeur-pompier, DIR. On est très divers au niveau des métiers, je sais pas, on va voir là. Brise, protection civile, chauffeur taxi, civil, sapeur-pompier, ouais. Au niveau des métiers, on est assez divers. Il y a beaucoup de monde sur le serveur, tu vois, on n'est pas non plus... Ah hein. Pas non plus pauvre en personne sur le serveur. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, ça me ferait extrêmement plaisir, puis ça ferait plaisir à la communauté. Ensuite, au niveau de la chaîne YouTube, ce qui a changé du coup, un petit peu le montage, vu que c'est plus moi qui monte, du coup, la façon de faire dans le montage, c'est un petit peu différente. Même si je vais donner des consignes, hein, vous allez voir, je vais donner certaines choses pour qu'on me reconnaisse mon style. Tiens, ils viennent de décaler VSR. Bref, on se retrouve une fois que je serai habillé à la caserne. Allo l'SP. Il est sorti? Oui, en fait, quelqu'un on nous a rentré dedans et là, en fait, le véhicule, il est dans les tuyaux de gaz et il y a une fuite de gaz. Vous êtes où? On est près du garage, monsieur. Très bien, je requiers un deuxième appel qui est similaire au vôtre, monsieur, vous inquiétez pas. Oh non, mon ami, il est décédé, monsieur. Vous inquiétez pas, les pompiers arrivent, monsieur. On a eu des appels, vous inquiétez pas. D'accord. Et combien de victimes, monsieur? Nous sommes trois, monsieur. Et là, j'ai du mal vraiment en VSAV, je ne me sens pas bien. Voilà, c'est bon. Du coup, moi, je pars en VSAV 02. Affirmatif, il y a un bête au départ. Position exacte du coup de l'accident. On est au GR. Garage. Oui. Où il y a les travaux, Où il y a les travaux. Ouais, où il y a les travaux. Il y a combien de VSAV de spawn? Il y a tous les VSAV qui sont spawn. Oui, vous inquiétez pas, il y a la route. Ah, mais putain, ils m'ont bloqué la route. Nous avons 3 victimes. Attends, t'es prêt, regarde, t'es prêt. Attends, t'es prêt, le truc magique. Ils sont où mes barrières?
C'est moi qui ai posé les barrières. Venez tous scène 1, les gars, cher P. Hop, on va pas sur place. Scène 1. Hamza, t'as rien à faire là, tu pars. Non, Hamza, c'est une victime en fait. Ouais. Bah, elle est en scène 1 en attendant. Le vocal ça va monter, c'est pour la radio ça va monter, pas pour l'inter. Oui, bah, allez, viens scène 1 du coup, Hamza. On voit en scène 1. P01, accueil 09, information, sommes en reconnaissance sur le lieu, arrivé sur le lieu, heure 15h35, prend disposition en tant que PS. Code 09 de VSAV02, prenez part suite à l'appel au garagiste. Allô? Monsieur, c'est les pompiers, bougez pas. Vous êtes tous sortis du véhicule. Oui. Oui. Oui, en fait, oui, bah oui. Et là, nous avons entendu une. C'est vous qui êtes sortis du véhicule seul ou vous avez été aidé? On est tout. Moi, je suis sorti. Après, moi, j'ai fait un malaise. J'ai réussi à sortir. Bon, on tire les victimes, on les met en sécurité, on veut les. Pour le truc là, pour l'opération. Ouais, t'inquiète. Non, j'ai testé. Il vient sur la terre ou pas? C'est bon, c'est sécurisant, on peut aller avec Chim ou pas? Chamatif, ils sont tous sécurisés, sur sont sortis par même. Bon, du coup, je vais prendre un CC. Ah non, je vais en prendre deux, comme ça je vais gérer ta victime. On peut pas appeler un renfort SAMU parce que ils ont une allée du gaz. J'ai appelé un renfort SAMU. Ouais, tu peux bouger ton PS, le fameux GP là. Attends, sinon je te bouge, attends. Ouais, bouge, là, je suis un peu de... Ça va pas bouger, SAMU. Oui. On aurait besoin d'une assistance médicale au niveau du parc garagiste pour des personnes accidentées qui ont inhalé du gaz. Au parc garagiste, ok. Vas-y, monte, collègue, vite. Le renfort de l'air et peut-être au dispo, si vous avez une air. Là, t'es en train de les arroser là. Ah, désolé. Il tourne pas ce machin. Ah, si, c'est bon. Si, c'est bon, là, c'est bon, t'es bien positionné là. Oh, il y en a du PS de Rastan parler. Sans mon départ. Bon, voilà. Ah, c'est bien pris. Hein. La position du coup. Les travaux au niveau du garage. Travaux au garage, ok. Le codiseur 9 du PS Aston se présente sur les lieux, confirme nature de l'urgence, un véhicule dans les. Qui n'a touché aucun tuyau, en tout cas à première vue. Personne à l'intérieur confirmant la victime, hein, victime au sol. C'est bien pris pour Code 09.
BSV01, commune d'Aston, point départ pour un AVP au niveau du garage d'Aston. Terminé. Code 09 de VSAV 01, commune d'Aston, se présente sur les lieux en reconnaissance. Ok, il a touché le câble d'électricité, mais il n'a pas coupé. Câble blanc, il n'a pas touché. J'ai demandé la dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, je les appelle, attends, je vais dans leur vocal. Bonjour messieurs, il est dans quel vox cette personne? Je sais pas, il était là et après il s'est barré de la vox. Il est bordel. Bon, je vais venir. Attends, je vais les parler en team là parce que sinon on va polluer le chat. Viens Vogue GR. Vous voulez pas spam mage. Donc voilà, on se met en team. Ça personne le voit. Oui, j'arrive le temps que je relance Discord HRP. Ok. Putain, on était mort. Oh bah le temps qu'il arrive, pose les questions à la. Au pire, demande-moi si tu veux. Vous avez mal. Alors, ça je sais. Oh, c'est lui. Vous étiez impliqué dans l'accident ou pas, mais vous, monsieur? Non, moi j'étais pas impliqué dans l'accident, donc moi je tourne à gauche pour. Ah bah il est là, HRP en truc, mais il peut pas parler. Moi j'avais tourné à gauche pour aller mettre la truc dans le. Mettre la truc à la fourrière et là je okay. Vois quoi. S'il vous plaît. Je parle avec la victime, s'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir des informations pour elle, ok? Okay. Vous êtes tombé comment? Vous arrivez dans quel sens? Du garage vers le concesse ou du concesse vers le garage? La slack. Donc du concesse vers le garage. Vous savez où on est? On est où, monsieur? Oh non, j'espère qu'il a plus perdu connaissance. Non. J'espère qu'il sait. On est où, monsieur? Dans le gars, ok. Vous savez quelle heure il est? Quel jour on est? Ni quel jour, monsieur? J'entends même que c'est pétinerte de. La photo de profil à charpie. Juillet, ok. Bon. Vous vous souvenez de l'accident? Est-ce que vous avez perdu connaissance ou pas pendant l'accident? Vous avez perdu connaissance, un petit malaise, non? Rien de tout ça? Non, vous avez pas mal au cou, au dos, aux jambes? Ok. Vous êtes sorti tout seul ou c'est quelqu'un qui vous a sorti? Il a réussi à. Seul, ok. Bon, le mieux aurait été de rester dans le véhicule, hein, ça vous aurait évité peut-être des problèmes derrière. Même si là, je vois, vous allez plutôt bien. Des traitements particuliers, médicaments, opérations récentes? Non. Pas été à l'hôpital hein, récemment, vous confirmez ça? Bon, par contre, là, le garage, je vais le fermer de suite. Là, je vais le déployer de suite. Parce que là.
Hop, garage fermé de suite. Bon, ce qu'on garage va faire, monsieur, fermé. C'est on va vous transporter à l'hôpital, ok, juste par, par doute. On va vous emmener au niveau de l'hôpital pour faire une radio. La radio dira si vous avez un problème ou pas. Si vous n'avez pas de problème, vous reviendrez au garage ou alors vous irez chez vous en arrêt. Ok. Est-ce que vous êtes un petit peu sous choc de l'accident ou pas? Vous pensez que oui. Ok. Vous étiez attaché? Ok. La vitesse, vous étiez à peu près à combien? Oh là, par contre, ça fume un peu ici, les égouts. Il doit faire chaud dedans. 30? Ouais, ça va. Bien, j'ai cherché un brancard, ok? Ou même je vais prendre directement un fauteuil roulant, puis je vais vous emmener. J'ai le droit de monter avec lui ou pas? Pour seuls les proches ont le droit de monter avec lui, donc après, si lui, il veut t'accompagner, après, il le dira. C'est lui qui décide. Mais voilà, normalement seuls les proches ont le droit d'accompagner. Ok. Ok. L'airbag, il s'est déclenché ou pas, monsieur? Ça me dérange pas. Ah, ok. Ah bon, bah ok. Ok, vas-y, bah... Je monte avec toi. J'ai besoin de votre aide, monsieur le garagiste, ok, pour le porter et le mettre sur le fauteuil, ok. Hop. Ok, j'attends votre décompte. Ok, c'est simple. Vous allez prendre par la jambe et sous le bras, ok. Ok. Attention pour porter. 3, 2, 1. 2. Hop, on va mettre dessus le fauteuil. Là. Ok. Je prends le fauteuil, hop. Voilà, je vous pose dedans. Attends, je vais rien dire. Je vous attache. Bien. J'ai appelé la régulation du SAMU pour savoir où on va aller, ok? Oui, bonjour, c'est les sapeurs-pompiers de la commune d'Aston. Nous sommes en présence d'une victime qui a eu un AVP au niveau du garage, légèrement blessée au niveau de la tête, un petit peu sonnée. J'aimerais la transporter dans le CHU le plus proche que vous avez disponible. Bien, commune d'Aston, c'est bien noté. Et de suite? Bien, du coup, monsieur, nous allons aller au CHU de la commune d'Aston, ok? J'ai fait le transport, non médicalisé, urgence non vitale, bien évidemment. Pour moi, là, vous allez extrêmement bien, quand même. Je suis votre ami, du coup. Le j'arrive. C'est garagiste, venez, ce que l'on va en faire, départ. Départ accepté, c'est bon, je suis dedans. Bien. VSAV 01, commune d'Aston, prend départ en direction du CHU d'Aston pour une victime, urgence non vitale pour un AVP. Oh là là. Ça va derrière? Ah ouais, ça va, il va bien. Tu vas bien? T'as pas de soucis là pour ça? Ça. Ah, ok, bah c'est bien ça. Ça y est, une infirmière qui va s'occuper de toi. Bien. Je t'aide encore à porter sur le. Non, ça devrait. Vous inquiétez pas, ça devrait aller. Là, j'ai juste à tirer le fauteuil. Bien, monsieur, je prends votre fauteuil. Hop là. Vas-y, tu peux venir. Merci. Hop là, on va vous emmener à la salle d'urgence. Vas-y, celui-là. Du coup, je vais laisser le médecin ou l'infirmière du SAMU venir vous prendre en charge.
Hop là, je vous dépose ici. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un bon rétablissement à vous, monsieur. Merci. VSAV01, commune d'Aston, fait retour au CS, samedi disponible. J'aimerais avoir le statut du FPT, s'il vous plaît, Code 09. Le PS est en retour CSP, disponible radio. Ok. VSAV01, commune d'Aston, retour CS effectué, sommes disponibles, tant d'intervention. Fais des règles de vidéo, arrête de faire le con. Vas-y, vas-y, montez, montez. Le 10 de VSAV01, on prend un départ. C'est où du coup? À la place de la mairie, au niveau de la statue. Ok. Putain, mais leurs travaux c'est toujours aussi mal à organiser. Vas-y, allez, allez, nous passer, mais voilà, on a le 2 tons, mais ils nous laissent pas passer, c'est dingue de voir ça. What? J'ai été kick? Ah putain. Marco! J'étais kick parce qu'il y avait un poste qui commençait pas le même pseudo que toi, vas-y. Là, 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 Giro, Bar. Ah, c'est B, mais vas-y, putain. Police 09 de SAV 01 Stone se présente sur les lieux, procédons à reconnaissance. Sac PS, on va prendre le sac PS, on va juste faire prendre ses comptes. C'est la cinquième fois que ça m'arrive. Bonjour. Merde. Monsieur, bonjour. Mais qu'est-ce que c'est pour tes teams? Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quel est votre problème du coup? C'est pour vous, c'est vous, hein? Oui, oui, c'est moi. Donc, ma grand-mère est juste là. Mm-hmm. Je sais pas si elle est tort ou si voilà. Mais je pense qu'elle a dû s'endormir avec la douleur. Ok, bon, du coup, on va faire je suis d'accord. On est là on juste en tant que remplacement d'ambulance, on n'est pas là en secours médical. C'est endormi avec la douleur. D'accord. Ouais, personne elle est consciente, il faut juste qu'elle ait ses yeux ouverts, d'accord. Mm-hmm. A pas de douleur particulière à part au niveau du ventre. Au niveau du ventre et elle a la tête qui tourne. D'accord, juste ça, d'accord. Très bien. Je pense quand ça fait effet, elle doit un peu. Wesh. HRP, Marco, il y a un mec qui s'amuse dedans la salle des fêtes, tu veux me le kick? Qui c'est quoi? Il y a un mec qui s'amuse avec les boutons dans la salle des fêtes.
Julien. Ouais. Je vais. Je me décale. Bon, au pire, là, ce qu'on fait, on va chercher le fauteuil puis on la transporte. Hein. C'est juste un transport, hein. C'est pas. Ouais. Bah, ouais, j'avoue. Hop là, on va poser la personne sur le siège, on va l'aider à s'asseoir. Là. Je vais prévenir la régulation médicale. Du coup je vais avec la victime. Bon du coup madame, pas de problème particulier, médicaments, prise de médicaments, opération. Elle a le diabète. Diabète? Non, ok. Elle a pris de l'insuline récemment ou pas? On va dire oui. Ouais ouais. Bon, c'est bon, ça m'a l'air pas mal. Non, mais normalement, aucun problème particulier. C'est juste que là, bah, je me promenais avec et d'un coup, ça lui est venu. Elle m'a dit que ça lui arrivait souvent depuis sa brûlure et depuis qu'elle prend ses médicaments. C'est depuis qu'elle prend ses médicaments, vous êtes d'accord? Elle m'a dit que c'était depuis qu'elle prenait les médicaments que les pharmaciens lui avaient donnés. Donc après. Moi, elle m'a jamais parlé d'autres douleurs avec des médicaments. Pour moi, ouais. C'est bon, quoi. Bon, on va voir ça au CHU, on verra, ils vont peut-être changer la prescription, du coup. On veut juste les noms des médicaments. Alors, c'est du... Je vous dis ça. J'ai noté le nom tout à l'heure, quand j'étais à l'appel. Nexium. D'accord. Voulez-vous qu'on vous emmène à l'arrière ou pas? Qu'on vous emmène... Qu'on voulait venir avec nous ou pas Oui. Je veux bien. Alors, vous allez monter à l'arrière, vous allez vous attacher, d'accord? Ouais. Venez, vas-y. Je dirai à l'arrière avec vous. The French? Ouais. T'es habillé? Ouais, mais non, t'inquiète pas, je me brille pas. Trop tard. Allez, vas-y, on part à l'inter. C'est bon, je vais juste prévenir pour le portatif. Ah, c'est toi qui conduis? Ouais. Connard. Codice 09 de Vessel01, transportons victime au CH Aston après le bilan passé à la régulation médicale. Enlève les barres parce que là t'as les barres jaunes, non quoi. C'est un jour le bouton allumé. J'ai juste conduit Je sais pas, tu m'as ping, tu m'as bring et je suis passé directement au collecteur. Alors, à ce qui paraît, l'hôpital était rénové ces derniers temps en plus. Ah oui! Ah bah les gars, et vous avez cru que le maire il foutait rien pour l'hôpital? Il y a un étage et tout, hein. Un étage maintenant? Vous pourrez me faire. Bonjour, c'est les sapeurs-pompiers. Bonjour! Ah bah tiens, comment on se retrouve avec lui? Ah non. On a une mamie assez âgée, hein, une personne âgée, qui, depuis qu'elle prend des médicaments, a des douleurs au ventre. Elle est ici. Sherpa, tu l'imagines. Il n'y a plus de lien en chambre, alors ça dure. Merde. Je suis son petit-fils, monsieur. Tu l'imagines, il y a le petit-fils qui est là pour vous aiguider, pour vous guider sur les soins. Bref, depuis qu'elle prend des médicaments, elle a des douleurs au niveau de l'estomac et là, elle a fait un petit malaise au niveau de la statue de la mairie. Je vais demander des sommes, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci beaucoup. Stoppé. J'ai fait du lien. L'SP, on repart, hein, du coup. Ah. Vas-y, ouais. Vous lui passez la porte, il est mort. Ah, bah, c'est un couillon. Non, mais je voulais voir l'étage, mais en fait, l'étage, on peut pas y accéder comme un con. Mais oui, c'est pour ça. Bref, retour avec SP. Putain, ils ont un nouveau garage. Ah ouais, le garage ça a bien changé. Ouais, ça a bien changé tout ça, c'est bien, c'est bien. Lui il est trop lent là.
propre, propre. Et roule au calme. Ok, on est un VSAV, on n'est pas non plus. Ouais, mais ça m'énerve, les gens qui sont lents. C'est un truc qui m'énerve. Marco, là, il est lent. Marco, il m'a kick. Je veux dire, c'est du prix kick. T'es qui, hein? Bien, on est sur une belle fin de garde. On a fait quelques interventions, donc voilà, hein, c'est pas ultra chargé en intervention. Si vous voulez que la prochaine fois je filme l'entièreté de ce qu'on fait, dites-le moi en commentaire. Pareil, si vous voulez que je fasse du staff ou un autre métier, parce que là je cherche un métier actuellement, guidez-moi sur un métier dans lequel je pourrais rejoindre. Hein, donc vous voyez, hein, garagiste, opérateur, postier, Aston News, Brinks, protection civile, la mairie, je suis maire, SAMU, pompier, gendarmerie. Ya están aquí, miren bañado, en la chancla, todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañado. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit métier que vous voulez que je rejoigne et puis voilà, je le ferai avec plaisir. Là, je vais retourner chez moi tranquillement. Enfin bref, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et abonne-toi si ce n'est pas fait. Merci d'avoir regardé. Allez, peace! N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne du monteur qui est dans la description et ici.